renforcement de capacité des femmes leaders du syndicat de l'éducation nationale. Un séminaire en ce sens est organisé et animé par deux formateurs internationaux. Léa Boulamba. Être formatrice, communiquer, animer, négocier et développer, tel est le thème choisi pour l'atelier de renforcement des capacités des femmes leaders du Sénat. La communication est l'un des volets très importants dans le management syndical. Il s'agit ici donc de développer la force mentale des syndiqués, leur donner régulièrement la parole en vue d'accroître leur participation aux activités de mobilisation et leur accès aux postes de responsabilité. En ouvrant les travaux de cet atelier, le responsable du Sénat a exhorté les séminaristes à bien s'imprégner des enseignements qui leur seront donnés. Il est aisé de constater aujourd'hui que l'action syndicale est dévoyée par des actions spontanées de lutte résultant des injustices accumulées depuis des années. Il faut reconnaître également que cette manière de lutter a ses limites et il faudrait que ça change. Vous êtes donc capable d'opérer ces changements car les femmes représentent 40% du personnel d'éducation et près de 50% des effectifs du Sénat. Cet atelier des femmes leaders du Sénat, qui va durer 5 jours, leur permettra d'acquérir des outils nécessaires dans les domaines de la communication, de l'animation des réunions de travail et de formation. Voici une bonne initiative. Les résultats seront bientôt attendus à l'épreuve des faits.